Bonjour à tous. Alors voilà, en fait, les difficultés d'apprentissage en mathématiques, ça s'observe dès le départ et ça s'observe dans tout le développement numérique. Et donc, je vais vous présenter des particularités de ce développement numérique en m'intéressant seulement aux premiers apprentissages, la comptine, donc apprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., le dénombrement, quand je compte une collection, le transcodage, c'est-à-dire la lecture et l'écriture de nombres, la réalisation de petits calculs, l'introduction dans les nombres décimaux, les nombres fractionnaires. Donc, on couvre les premières années d'apprentissage en primaire. On n'est pas en train de parler ici des difficultés en mathématiques que des enfants pourraient rencontrer plus tard, au collège, etc. Bien sûr, ils en rencontrent également, mais déjà dans les premiers apprentissages, on peut voir des difficultés. Alors, les difficultés, en fait, ne dénotent pas des erreurs particulières. Les erreurs qu'on voit chez des enfants dyscalculiques sont les mêmes que celles qu'on voit chez des enfants faibles en mathématiques, que celles qu'on verrait chez des enfants tout venant dans le cours de leur développement. En ce qui concerne la chaîne numérique verbale, donc l'apprentissage de la suite des mots-nombres, on voit que chez certains enfants, eh bien, ce développement est plus lent. En particulier, par exemple, j'avais étudié des enfants tout venant de 4-5 ans et ceux qui avaient une mémoire à court terme plus faible, de capacité plus faible que d'autres, eh bien, en fait, montraient un développement de la chaîne numérique verbale plus lent également. Les difficultés dans l'acquisition de ces mots-nombres, elles se voient surtout chez des enfants qui ont des difficultés avec l'acquisition du langage en général, c'est-à-dire les enfants qui présentent soit un retard de langage, soit une dysphasie. Par exemple, chez des enfants de 4 ans, Fazio, en Italie, a demandé aux enfants de compter le plus loin possible. Les enfants avec trouble du langage comptaient en moyenne jusque 10. Les enfants contrôle sans trouble du langage savaient compter jusque 17 à 6 ans. Les enfants avec trouble du langage comptaient jusque 42. Les autres comptaient jusque 85, donc vous voyez qu'il y a une grande différence. Chez des enfants de 8 ans qui n'ont pas de difficultés de langage oral, mais qui ont des difficultés spécifiques en mathématiques, on a vu aussi que leur comptage était plus lent et moins automatique. Donc, par exemple, dans cette étude, on a des sujets contrôle, donc qui n'ont pas de difficultés à l'école, des enfants dyslexiques, des enfants dyscalculiques et des enfants qui malheureusement ont et une dyscalculie, donc une difficulté en mathématiques et une dyslexie. Quand on leur demande de compter de 1 à 20, on voit le temps mis pour compter de 1 à 20 et on voit que les deux groupes dyscalculiques sont plus lents que les autres. Quand on leur demande de compter de 45 à 65, ils sont encore plus lents. Compter par pas de 2, de 2 à 20, ces deux groupes dyscalculiques sont plus lents et idem, et de manière encore plus forte, quand ils doivent compter à rebours de 20 à 1. Le dénombrement, c'est appliquer cette chaîne numérique verbale à une collection pour savoir combien d'éléments il y a. Donc je dois d'abord savoir dire la suite des mots nombres dans l'ordre correct, 1, 2, 3, 4, 5 et pas 1, 5, 4, 3. Je dois pouvoir mettre en correspondance terme à terme chaque objet de la collection avec un mot. Et puis finalement, il y a le principe qu'on appelle cardinal, qui est que quand j'arrive au bout et que je dis 5, 5 ne correspond pas au cinquième élément de la collection, mais 5 correspond à l'ensemble des éléments de la collection. Et là aussi, on va voir que des difficultés peuvent apparaître. Premier type de difficulté, c'est une difficulté de langage oral. Évidemment, des enfants qui ont un problème avec la chaîne numérique verbale vont avoir des difficultés de dénombrement. Deuxième type de difficulté, c'est ce qu'on appelle les difficultés de marquage. Quand je compte, je dois savoir quels sont les éléments que j'ai déjà comptés. Si j'ai une petite collection, je vais avoir moins d'erreurs de marquage que si j'ai une grande collection. Si j'ai une grande collection, j'aurai moins d'erreurs de marquage si ma collection est mise en ligne que si elle est disposée de manière aléatoire et aussi moins d'erreurs si ce sont des éléments différents que si ce sont des éléments homogènes. Quelles sont les erreurs de marquage qu'on peut observer? Eh bien, soit compter deux fois le même objet. Par exemple, je pourrais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ou bien,
oublier de compter un objet. Ça, ce sont des erreurs typiques. Ces erreurs, eh bien, on va les voir chez, par exemple, les enfants dyspraxiques, donc des enfants qui ont des difficultés au niveau des habiletés visio-spatiales. Dans une étude de Valérie Camos, elle a testé des enfants de 6 ans qui présentaient ce type de difficultés et elle a vu qu'ils avaient plus d'erreurs, à la fois dans une tâche de pointage où on leur demandait simplement de pointer du doigt chaque élément de la collection et aussi dans une tâche de dénombrement où il s'agissait de compter et dire combien d'éléments il y avait dans la collection. Par contre, quand on leur demandait juste de compter, de dire la suite des monombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., ils n'avaient aucune difficulté. Un autre type de difficulté qu'on peut rencontrer également, c'est une difficulté de coordination énoncé-pointage. Il ne suffit pas de bien savoir la suite des nombres et de pointer tous les éléments, il faut encore que, quand je pointe un élément, je dise un mot en même temps. Je dois dire 1, 2, 3. Si je commence à dire 1, 2, 3, 4, 5, etc., évidemment, ça ne marche pas. Donc le rythme de l'énonciation et le rythme du pointage doivent être identiques et coordonnés. Si j'ai des erreurs dans ma chaîne numérique verbale, dans mon marquage, dans la coordination énoncé-pointage, le dénombrement va être erroné et le dénombrement ne sera pas stable. Je compte une collection, je dis « ah, ça fait 8 », on me dit « recompte un peu », je compte « ça fait 9 », puis je recompte encore une fois « ça fait 7 ». Donc le nombre n'est pas une qualité stable de ma collection. Donc je ne vais pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire 7, qu'est-ce que ça veut dire 8. D'autres difficultés sont apparues aussi, par exemple, dans une étude de Gary sur la connaissance des principes du dénombrement. La plupart d'entre nous, si on compte cette collection, on va compter de gauche à droite. Mais si je comptais comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, est-ce que mon comptage est correct? Oui, il est correct aussi. Donc on a l'habitude de compter de gauche à droite, mais ce n'est pas une propriété obligatoire. Et là, par exemple, les enfants en difficulté d'apprentissage mathématique, très souvent vont être perturbés par ce type de dénombrement et vont penser que ça, ce n'est pas correct du tout. Donc ils ne comprennent pas vraiment les principes réellement sous-jacents au dénombrement. Un peu plus tard, les enfants entrent dans l'apprentissage de l'écrit. Des chiffres, les chiffres arabes, qui, mis ensemble, font les nombres arabes. Lorsque les enfants lisent ou écrivent des nombres, eh bien, au début, évidemment, ils vont faire des erreurs, puis progressivement, ils vont maîtriser cette tâche, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a toutes sortes de difficultés qui peuvent être observées à ce niveau. Et en particulier, deux types d'erreurs sont contrastées, les erreurs qu'on appelle lexicales et les erreurs syntaxiques. Les erreurs lexicales, c'est écrire un mot pour un autre ou un chiffre pour un autre. Voilà le cas de Paul, un garçon de 11 ans. À 11 ans, normalement, la lecture et l'écriture des nombres est acquise. Et lui, en fait, il fait 40% d'erreurs en lecture de nombres arabes et 50% en écriture de nombres arabes. Donc, il est très déficitaire. Qu'est-ce qu'il fait comme erreur? Ben, vous voyez qu'il va écrire, il va dire 9 au lieu de 1, il va dire 2 au lieu de 5, il va dire 70, 70 au lieu de 30, 6 à la place de 4. Il va écrire 3 à la place de 2, donc il substitue un mot pour un autre ou un chiffre pour un autre. À l'inverse, cet adolescent, CM, il a 13 ans, il fait lui aussi énormément d'erreurs de lecture et d'écriture, mais vous voyez que les chiffres sont correctement sélectionnés, mais le gabarit du nombre n'est pas correct. Donc là, c'est dans la combinaison des mots ou des chiffres que se passent ces erreurs. C'est ce qu'on appelle des erreurs syntaxiques. Autre exemple du même type, une petite fille que j'ai rencontrée, Violette, 10 ans, en CM1. Elle fait beaucoup trop d'erreurs en lecture et écriture de nombres. En écriture de nombres, par exemple, 5002, elle écrit comme ceci. 6040, comme ceci. Évidemment, quand on lui présente deux nombres, par exemple ce nombre-ci et ce nombre-là, et que je lui dis quel est le plus grand, elle hésite. Elle me dit
D'un côté, il y a 10 et 13, donc c'est celui-ci le plus grand. Mais de l'autre côté, il y a 653 et là 650, donc c'est celui-ci qui est le plus grand. Donc elle ne comprend pas comment est fait le nombre et elle ne sait pas déterminer quel est le plus grand. Alors je lui présente des jetons. Les grands jetons, ça vaut 1000. Les jetons comme ça vaut 10. Et quand je lui dis, eh bien ça, qu'est-ce que ça fait? Oralement, elle dit bien, ça c'est 1040. Mais quand elle écrit un nombre qui ne correspond pas. Elle écrit par exemple 1, 0, 0, 0, 4, 0. Les difficultés peuvent être observées également dans le calcul. Dans le calcul, comme vous le verrez tout à l'heure, les enfants en fait, vont déployer différents types de stratégies pour calculer et ces stratégies vont devenir de plus en plus matures au cours de leur développement. Au début, la stratégie la plus immature, c'est de compter les objets. J'ai 3 voitures et 2 voitures, je compte toutes mes voitures. Ou mes doigts. Par exemple, si on me demande de faire 3 plus 2, je vais compter 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5 en tout. Donc, je compte tout, le 3, le 2, la somme sur mes doigts. Par la suite, je peux ne plus avoir besoin de mes doigts, mais compter verbalement. Par exemple, je pourrais dire 1, 2, 3 plus 2, ça fait 4, 5. Et puis, à la fin, on compte dans sa tête, sans support externe. Alors, les stratégies de comptage elles-mêmes vont se déployer au cours du temps. Au début, le comptage du tout, ce qui est le plus primitif. Après, ça peut être compté à partir du premier terme. Quand j'ai 3 plus 4, je sais que je commence à compter à 3 et que je fais 4 pas. Ça fait 4, 5, 6, 7. Ou bien plus tard, je peux commencer à compter à partir du plus grand terme. Je ne vais pas compter à partir de 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, je commence à 8 et je sais que je n'ai plus qu'à faire 9, 10, 11. À un moment donné, à force de faire des calculs, je vais mémoriser des réponses. Je vais savoir d'abord que 2 plus 2, ça fait 4, que 5 plus 5, ça fait 10. Par exemple, je retiens aussi les amis de 10. 2 plus 8, ça fait 10. Donc, je récupère en mémoire. Ça, c'est le plus efficace, évidemment. Ça prend quelques, même pas quelques secondes, et la réponse apparaît. Et quand j'ai mémorisé quelques solutions, je peux les utiliser dans d'autres calculs. Si je connais que 2 plus 8, ça fait 10, et que je ne sais pas comment faire, que je ne connais pas par cœur la solution de 3 plus 8, eh bien, je peux décomposer le 3 plus 8 en 2 plus 8, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Alors, ces stratégies, en fait, on n'a pas les enfants de CP font telle stratégie, les enfants de CM1 font telle autre stratégie. À un moment donné, un enfant résout les calculs avec plusieurs stratégies différentes. Ici, dans cette étude, ils ont regardé les stratégies utilisées par des enfants de grande section maternelle, de CP, de CE1. Vous voyez que même en grande section maternelle, les enfants peuvent soit deviner, soit faire le comptage du tout, soit compter à partir du plus grand, faire de la décomposition, faire de la récupération. On voit déjà apparaître toutes ces stratégies à ce moment-là. Évidemment, au cours du développement, on va voir que les enfants vont deviner de moins en moins. Et heureusement, parce que ce n'est pas très efficace de deviner, ça donne essentiellement des erreurs. Ils vont diminuer la stratégie du comptage du tout, qui est très lente. Mais par contre, ils vont augmenter les stratégies de décomposition et les stratégies de récupération. Et on va voir le pourcentage d'erreurs diminuer. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez les enfants en difficulté? Celle-ci, je n'ai pas besoin de la mettre. Eh bien, que les enfants vont avoir besoin de supports concrets plus longtemps. Vous allez voir des enfants qui, en CP, comptent sur leurs doigts, c'est tout à fait normal, mais qui, en CM1, par exemple, vont encore avoir besoin de compter sur leurs doigts. Là, ça devient beaucoup plus un signe de difficulté. Ils vont continuer à utiliser des stratégies immatures. Si compter le tout, c'est tout à fait normal quand on a 6 ans, quand on a 8 ans, compter le tout, c'est une preuve de stratégie très immature. Forcément, les temps de réponse vont être plus longs. Parce que si vous avez une stratégie mature, ça prend du temps. Et on voit aussi que ces enfants ont des difficultés à mémoriser les réponses. Et globalement aussi, ils font plus d'erreurs. Dans cette étude, ils ont proposé des additions simples et ils ont comparé la réalisation de ces additions simples par des enfants normaux, des enfants tout venants,
versus des enfants en difficulté en mathématiques, donc qui étaient dans les 30% les plus faibles en mathématiques. Ils testaient des enfants de CP, de CE2 et de CM2. En CP, on voit que le pourcentage d'utilisation de comptage sur le doigt chez les enfants en difficulté en mathématiques est beaucoup plus important que dans l'échantillon normal. On voit aussi que, par exemple, même ici, en cinquième année, en CM2, il y a aussi plus de comptage sur les doigts. Et le nombre de réponses fausses, eh bien, on voit que là aussi, les enfants en difficulté font globalement plus d'erreurs, et en particulier quand ils comptent sur leurs doigts, et aussi quand ils récupèrent. Donc, quand ils se disent 4 plus 5, ah ouais, je sais la réponse, eh bien, très souvent, la réponse qu'ils produisent est une réponse incorrecte. Ces difficultés en calcul, elles peuvent être persistantes. Par exemple, nous avons étudié cette dame de 33 ans, une dame d'intelligence normale. Quand on la teste avec des petites additions, 15% d'erreurs, 39% d'erreurs en multiplication, je vous montre une série des erreurs qu'elle produit. Et quand elle doit calculer des calculs un petit peu plus complexes, comme par exemple 18 plus 8, vous voyez qu'elle dessine des points sur la table pour pouvoir compter les points. Évidemment, les enfants ont des difficultés de lecture, d'écriture, des nombres naturels, mais des difficultés s'observent également quand les nombres un peu plus complexes sont appris à l'école, en particulier les nombres décimaux et les nombres fractionnaires. En Belgique, une grande étude a été faite, où Jacques Grégoire était un des pilotes de cette étude, où il y a eu plus de 2000 élèves qui ont été testés, des enfants de correspondant en 5e en France, chez vous. Quand on leur demande de donner un nombre entre 72,4 ou 72,4 et 72,5, un quart d'échec. Ranger par ordre croissant 4 nombres décimaux, un tiers d'échec. Calculer 21% de 6200, 50% d'échecs. Et quand on leur demande de travailler sur une échelle, eh bien 50% d'échecs. Donc toutes ces notions qui sont supposées être acquises dans le cycle primaire, en fait, continuent à donner lieu à beaucoup de difficultés. Quelles sont les erreurs typiques? Considérez par exemple que 4 neuvièmes, c'est plus grand que 3 quarts. Que 2,344, c'est plus grand que 2,5. Que 3,500, c'est plus grand que 3,6. Pourquoi toutes ces erreurs? Ce n'est pas du tout du hasard. C'est ce qu'on appelle le biais des nombres naturels. C'est-à-dire que pour l'enfant, il considère que 4,9, c'est plus grand que 3,4 parce que le 4 est plus grand que le 3 et que le 9 est plus grand que le 4. De la même manière, ceci est supposé être plus grand que ça parce que 344, c'est plus grand que 5 ou que 500 est plus grand que 6. C'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas la valeur positionnelle des nombres décimaux, mais suppose que le nombre est composé de deux entiers quelque part. On voit également qu'il va y avoir des erreurs dans la maîtrise des nombres fractionnaires, notamment dans le passage des nombres fractionnaires aux nombres décimaux. On peut avoir des erreurs de ce type-ci, ou des difficultés dans le calcul, où là aussi, on voit qu'il y a une mauvaise compréhension du nombre fractionnaire. Donc voilà, dans ce balayage du cursus que les enfants vont apprendre au cours des 6 premières années primaires, on voit qu'à toutes les étapes, des difficultés peuvent apparaître. Évidemment, ces difficultés, pour la plupart, il y en a toute une série qui vont rester. On a des adultes qui continuent à avoir ce type de difficultés. Et bien sûr, tout ceci, c'est la base pour les apprentissages mathématiques ultérieurs. Et vous comprenez bien que des enfants qui ont déjà des difficultés dans ces bases, eh bien, apprendre les mathématiques par la suite n'est vraiment pas une chose aisée. Voilà.